Ne vous trompez pas. C'est simplement parce que la vie m'a permis de ne pas mal tourner que je n'ai pas mal tourné. Mais je fonctionne exactement comme peut fonctionner un criminel. De la même manière. Je n'ai aucune foi ni loi. Tu m'as menacé au conseil de majorité. Oui. Comme ça, eh bien, mais je peux le refaire. Il ne faut pas jouer à ça, je te le dis. Il ne faut pas jouer à ça. J'ai mené une enquête très précise, j'ai un avocat, je te l'avais dit. J'avais un avocat. J'ai même vu un avocat sur Paris cette semaine. Il m'a expliqué ce que c'était que le chantage politique. Et la jurisprudence, c'est 2 ans de prison. Mais une fois que c'est sur les réseaux, c'est plus du chantage. Hein. Oui, bien sûr. C'est l'exécution. De toute façon, Pierre, nous avons un accord. Bon. Okay. Nous avons signé un accord qui nous engageait les uns et les autres pour 2020. Donc on est tous tenus. Donc pourquoi voulez-vous qu'on s'affaiblisse les uns et les autres? Ça n'a pas de sens. Alors arrêtons. Moi, si je vais poser mon dossier au procureur de la République, vous serez en garde à vue le soir même. Et vous croyez que ça m'intéresse, moi? J'en ai absolument rien. Si vous faites ça, et ben, quoi? Si vous faites ça, oui. L'ensemble des parents, des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film. Mais c'est perdant-perdant pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense, oui, pense que vos enfants s'en remettront pas.